Donc, aujourd'hui, je vous parlais de métadonnées, et notamment du réveil de la métadonnée, parce que pour ceux qui la pratiquent, je ne sais pas s'il y en a qui font des métadonnées, mais jusqu'à présent, ce n'était pas forcément facile, on va le voir au fil de ma présentation, mais là, en fait, tout récemment, avec des collègues de l'IRD, ont mis en place un outil vraiment intéressant pour générer de la métadonnée, et pas que. Et je trouvais que c'était vachement intéressant de vous le présenter. Donc, en sachant que j'ai quand même présenté, j'ai fait une présentation, pas sur aussi bel écran, mais il n'y a pas longtemps, à l'IST. Parce que c'est quelque chose qui vous intéresse et vous verrez pourquoi. Donc je fais un contexte, alors il y en a certains parmi vous qui ont peut-être déjà vu cette diapo-là. J'aime bien remettre en fait dans le contexte. Hein. On est d'accord que tout ça, c'est dans le cadre de la science reproductive. Hein. Donc je vous parlais des métadonnées, mais pourquoi ? Vous savez tous qu'il y a un plan national pour la science ouverte. En gros, il y a quelques années, on se demandait toujours, bon, les métadonnées, oui, ça vaut le coup, est-ce qu'on partage nos données, oui, non. Maintenant, la question, a priori, enfin, c'est quasiment mon point de vue, elle se pose plus, vu que même l'INRA, avant même le plan national, a décidé d'ouvrir ces données de la recherche. Donc je pense qu'institutionnellement, on n'a pas trop de questions à se poser. Pour aller vers le partage des données. Après, pareil, je ne sais pas si vous connaissez, mais Google aussi s'est mis à faire du partage de données, enfin, il ne fait pas du partage de données de recherche, mais il met en place des outils pour chercher des jeux de données, de la recherche entre autres, mais on est vraiment à un point où, en gros, les outils sont là pour faire du partage. Bon, après, un point de data, vous connaissez, Inspire, j'en parle plus, j'en ai tellement parlé, mais... tout ça, ça vient. Donc ça c'est nouveau, mais ça fait quand même plus de 10 ans qu'on parle du partage de données, notamment environnemental. Voilà, ça je sais pas si vous connaissez, c'est les 5 stars open data. C'est une histoire de dire, bon c'est bien de partager ces données, mais quand c'est du propriétaire, hein, c'est bien, on a fait l'effort, mais c'est pas génial parce que les gens ne l'utilisent pas. Et plus on monte dans l'interopérabilité de la donnée qu'on partage, mieux c'est. Bon voilà, je ne suis pas là-dessus. Voilà. Donc ça c'est le contexte très général. Je vais vous faire un rappel hyper important pour ceux qui ont oublié. Donc, données sans métadonnées, alors c'est. J'ai rajouté une petite diapo là, juste. Ah non, merci, il manque un truc. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que. Ben voilà, une méthode sans métadonnées, c'est une métadonnée qui part à la poubelle. C'est vraiment grossir le trait, mais. Donc, non, il y avait une diapo, alors peut-être qu'elle va arriver, je sais pas. Sans méthode. Non, bon, ben, peu importe. Ça va être la bonne version. Après avoir discuté avec des étudiants, notamment une doctorante que je ne citerai pas ce matin, pas plus tard, en fait, des données sans métadonnées, ce que je disais au mieux, c'est déjà au moins des mois de travail pour les personnes qui vont essayer de réutiliser des données pour faire le tri entre des dizaines de tableaux de données. En gros, quand on ne sait pas d'où ça vient, et bien en fait, soit on passe du temps, on galère, alors évidemment, c'est toujours les stagiaires ou les étudiants, c'est facile, à se taper à trier tout ça, et sinon, ben, de toute façon, poubelle. Donc c'est quand même pas rien. Donc les métadonnées, ça sert avant tout à ça. Par contre, des données avec des métadonnées, alors ça, pareil, je pense que ça fait partie des mots-clés du moment, hein, vous les connaissez tous, des données FAIR, donc findable, accessible, interopérable, reusable. Je sais pas, ça sert à quelque chose que je vous détaille ça, hein, ou tout le monde connaît, a priori. Bon, c'est le truc à la mode pour dire que, voilà... Des données, donc toujours pareil, le cas Open Science et compagnie, c'est bon de faire des données faire, c'est-à-dire qu'ils soient. C'est pas le simple, ça revient le petit schéma, là, les 5 star Open Data. Là. Il suffit pas de dire, tiens, moi j'ai une donnée, alors je tombe avec celle, allez hop, je le mets sur Internet et mais c'est bien, je fais du partage de données. Non, il faut faire en sorte qu'on puisse les découvrir, que les gens sachent qu'elles sont à l'endroit, qu'elles puissent comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ces données, comment elles peuvent les réutiliser. Et que la donnée elle-même, elle soit interopérable. C'est-à-dire que si c'est un format hyper particulier, ben, ça ne sert à rien. Les gens, s'ils n'ont pas le logiciel qui va avec, ça ne marchera pas. Et s'ils n'ont pas justement les billes, on va dire, pour réutiliser ces données, donc les métadonnées, ben, c'est pareil, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc ça c'est le postulat de base dont il faut partir. Alors j'ai juste rajouté ferme. Alors c'était pour faire une blague, parce que je pensais qu'il y allait avoir Laurent Birman, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'était pour dire aussi, il y avait la blague. Hein. Il y avait aussi le fait que on maîtrisait, ça n'existe pas, je pense, mais c'était vrai qu'il fallait un M, bref. Donc pour dire que ces données-là, il faut aussi être sûr de ce qu'on met dedans. On ne met pas toutes les données, on ne pioche pas dans les ordi, on met tout sur Internet. Il faut savoir d'où ça vient, comment on a fait, est-ce que ces données qui ont été collectées de façon propre, bref.
être un peu sûr de ce qu'on est. Sans les mettre manageable. Manageable, non, mais excusez, c'est pour nous. Surtout c'est ferme. Ferme, quelle ferme, bon bref. Du coup, alors, je ne sais pas si vous faites déjà de métadonnées, mais en tout cas, parmi les outils existants pour en faire, alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que, bon, vous savez, dans Dynafor, donc plutôt données, on va dire, d'écologie, biodiversité, environnementale, donc il y a peut-être parmi vous qui ne font pas que ça, qui font peut-être aussi, je ne sais pas quoi, de la génomique, ou... donc je vais vous parler de ce que je connais, évidemment, de notre thématique, mais des outils pour faire des métadonnées, il en existe d'autres que je ne connais pas. Il y a quand même, donc en tout cas le plus connu, parce que la norme, qui est la plus connue aussi, parce qu'elle est issue principalement donc, de la directive INSPIRE, qui est la plus vieille, c'est la norme INDO 1915, je ne sais pas si tout le monde la connaît, c'est la norme pour l'information spatiale, pour tout ce qui est données géographiques. C'est la première, enfin, plus ou moins la première à être sortie avec des outils associés, et qui a fait que ben, les gens se sont appropriés celle-là, et on fait en sorte, de, ben, tiens, on fait des métadonnées, tac, on va la faire à l'ISO 1915. Donc des fois, on tord un peu la norme pour décrire un rapport de stage, j'en sais rien. Donc c'est vraiment adapté pour l'information spatiale, mais on a tendance enfin, c'est quand même la norme qui ressort le plus. Tout ça pour dire que, depuis que l'ISO 1915 est sorti, il y a un outil donc, qui a été développé par la FAO, et qui suit strictement les recommandations de l'OGC, donc Open Geospatial Consortium, il y avait le petit logo tout à l'heure, hein, qui permet donc de faire des métadonnées compatibles ISO 1915. Et donc ce jeu network, qui existe depuis maintenant, vous savez quoi, 2006, enfin 2003 même peut-être, hein, donc ça fait vraiment un bail, ça fait 15 ans, au départ c'était horrible en fait, l'ergonomie c'était pourri, enfin ceux qui connaissent, c'était très compliqué. Alors, avant de m'en mêler les pinceaux, Geonetwork, je vous dis juste, GBIF, donc pareil, alors ça c'est encore plus thématique, on va dire. Donc GBIF, c'est le portail mondial sur la biodiversité, donc qui en soi n'est pas un outil, mais ils mettent un outil qui s'appelle l'IPT, Interactive Publishing Toolkit, qui permet de faire de l'EML, donc Ecological Metadata Language. Donc en gros, c'est deux exemples, c'est les nous en tout cas, au labo, on dit tiens, on veut faire des métadonnées, soit on utilise Geonetwork, soit on utilise l'IPT du GBIF, en fonction de la norme qu'on veut utiliser. Bon, bref, le débat d'aujourd'hui, c'est pas, je ne vais pas vous parler des normes, hein, mais. Voilà, donc je pense que c'est le cas dans d'autres thématiques. Mais, en gros, voilà, les outils dispo, c'est ça. Donc l'avantage, c'est qu'ils implémentent strictement les normes, ils sont conformes aux standards OGC, et heureusement, ils sont open source. C'est-à-dire qu'on peut quand même bidouiller un peu dedans, même si c'est quand même un peu compliqué. Donc la suite, c'est que il y a quand même des limites à tout ça. C'est-à-dire que donc, le fameux jeu network, moi, ça fait plein de 12 ans que je travaille dessus. Donc les premières versions, 1 et quelques, ou je ne sais pas quoi, il faut l'installer. Déjà, c'est pas facile. Il faut la maintenir, donc c'est-à-dire qu'il faut, enfin, je ne sais pas s'il y a des informaticiens, mais il faut faire du Tomcat, des machins, moi j'y connaissais rien. C'est vraiment chiant, c'est-à-dire qu'un jour ça marche plus, on ne sait pas pourquoi. En fait, on s'est aperçu que mettre sur le même Tomcat GeoServer et GeoNetwork, ben, ça ne marchait pas. Donc ça, avant de le savoir, il faut du temps. Bref, en gros, il faut des moyens informatiques. Tout ça, c'est souvent Java, JavaScript, machin, donc en gros, s'il n'y a pas un vrai informaticien chez vous, en gros, si c'est le géomaticien ou le gestionnaire de données qui stoppe ça, ben c'est pas optimal, on va dire. Des énormes efforts ont été faits sur l'ergonomie. C'est-à-dire qu'au départ, la norme ISO 1915, c'est les 600 champs. Donc, au début, ça déployait des 600 champs, il fallait scroller pendant des heures. C'était vraiment pas super. Ça s'est vraiment amélioré, mais quand même, c'est un outil, donc, encore une fois, qu'il faut installer, qu'il faut quand même prendre en main. Alors, formation, entre guillemets, on va dire, je sais pas s'il y a des formations jeu network, mais vraiment, n'importe qui va pas se lancer dans le jeu network comme ça, pouf, allez, tiens, je vais faire un métadonnée, c'est super. Parce que, bon, déjà, il faut pouvoir l'avoir, et après, il faut quand même le manipuler. Et sur ce paramètre, il y a des petits trucs, voilà. Et, alors, évidemment, ça, c'est vrai tout le temps, mais pour faire du 1915, il faut quand même connaître un petit peu les normes. Ça, c'est... Dans tous les cas, il faudra quand même un peu se familiariser avec quels sont les champs qu'on va utiliser pour décrire nos données. Mais en gros, le constat, c'est ça. On veut faire la métadonnée, bon, les outils, très bien, ils étaient pourris, maintenant ils sont mieux, mais malgré tout, c'est toujours un truc qu'il faut avoir les moyens d'administrer, et dans lequel il faut se lancer. Et donc, il y a... Eh bien, donc, c'est pas ça que je voulais dire, mais... Et donc, au final, ben, en fait, on s'aperçoit qu'on en a des géonetworks, enfin, on en a un, mais dedans, on a 20 métadonnées. Et il y a pas mal qui ont des catalogues de métadonnées, alors soit on a X fois la copie de la base de données IGN, à chaque année, donc effectivement ça gonfle les noms de métadonnées, mais au final on n'en a pas beaucoup. Et le constat c'était vraiment ça, les métadonnées on est convaincu qu'il faut les faire, parce qu'on sait que ça sert,
et que la science reproductive ça passera par ça, en partie. On nous incite de plus en plus à en faire, mais au final, il n'y en a toujours pas. Donc pourquoi? Et en fait, souvent, on se dit que quand même, c'est vrai que pour les faire, c'est quand même pas si long. Donc j'ai des collègues à l'IRD, et un autre collègue, en fait, qui lui est indépendant, il est développeur, mais qui a fait l'ENSAT il y a quelques années, qui se sont dit, alors pour le besoin d'un projet, en disant, ben, pareil, il ne faut pas faire de données, donc on va commencer parce qu'on va faire les choses bien, on va faire des métadonnées. Mais installer un geomètre work, on sait qu'on va galérer. Les gens, en fait, tout le monde fait pas, n'a pas forcément les moyens informatiques ou les compétences pour le faire. Du coup, ils sont repartis sur du hyper simple. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un outil pragmatique. Donc, déjà, il est codé en R. Donc, pour les gens de la science, on va dire, c'est quand même assez pratique parce qu'il y a quand même beaucoup de collègues parmi nous qui faisons du R. Donc, c'est quand même un outil de programmation qui est plus accessible que du Java, on va dire. Et surtout, l'interface, on va dire finale, c'est-à-dire là où on va vraiment faire des choses, c'est juste un tableur. Donc, Google Sheet. J'ai préparé une diapo pour ceux qui vont poser la question pourquoi Google et c'est pas bien. Voilà. Bref, le fait est que c'est sur Google Sheet, mais ça peut être aussi sur autre chose. Et alors, surtout, ça, c'est l'implémentation de base, on va dire. Il y a aussi la possibilité de travailler directement sur des bases données pour ceux qui en ont, de faire une table réservée dans la base de données. Mais je vais vous présenter ça aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement facile à programmer, vous allez voir. Donc ça sert à faire des métadonnées avant tout, mais pas que. Parce que vous allez voir, ça fait plus que ça. Et là, j'ai juste rajouté... Alors, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, hein, c'est Adé Wickham, en fait. C'est le bourreau du R là, qui fait type, voilà, exactement. Et en fait, avec ces deux collègues, je me suis rajouté au groupe et on a déposé un projet au R Consortium pour aller un peu plus faire des use cases, en fait, parce qu'eux, ils travaillent sur la mer, on va dire. Moi, j'essaie de faire tous les tests côté nos données forestières, environnementales. Et donc, on a besoin d'un projet pour améliorer les API et tout ça. Et pas plus tard que ce matin, ils nous ont validé le projet. Donc, du coup, on a un gros financement qui vient de tomber là. On peut dire que c'est pour faire un peu de malin. Voilà. Donc, en gros, ce R Metadata, donc il a un nom chelou, mais c'est R Metadata. C'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, c'est un véritable entrepôt de données. C'est pas juste un outil pour faire de la métadonnée. Donc là, on va pas rentrer dans les détails. En gros, le principe, c'est. Anybody, c'est vraiment n'importe qui, peut aller sur donc, le Google Drive, vous connaissez, donc faire du. Donc soit du spreadsheet, donc faire du carrément du CSV, enfin un tableau, mais je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. On remplit les champs des métadonnées de base dans un tableau. Alors, l'avantage du Google Sheet, c'est que tout le monde, alors moyennant ceux qui n'ont pas de compte et comment, en général ça marche, tout le monde dans un labo ou même au-delà peut aller sur ce Google partagé et remplir ses données, enfin ses métadonnées. Donc ça, déjà, premier point intéressant, c'est qu'on peut le partager sans galérer, a priori. On peut aussi, soit avec, et où, on va dire, et où, une base de données. Et c'est là que le R rentre en... Alors évidemment, ça, c'est des... ils ont détaillé, en fait, les... C'est pas moi qui ai fait... Ça, c'est Julien. Il y a plein de packages R à chaque fois, à chaque étape, hein, pour passer de l'un à l'autre. Mais... Donc ça, on oublie. Je pense qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc il y a un petit truc R à chaque fois. Disons que le plus intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait ce truc que sur le tableur, hop, R, donc là c'est les API de Emmanuel Blondel, qui l'a développé et déposé sur l'aircran, qui vont, à partir de ce qu'on a écrit dans le tableau, générer une fiche de métadonnées, pareil, rigoureusement compatible avec la norme ISO 1915. Mais pas que. Potentiellement, on peut générer donc 1939, parce que c'est, je ne sais pas si vous connaissez l'état, c'est l'implémentation XML 1915, peu importe. On peut faire du double encore, on peut faire de l'ML, et alors ça, c'est ce qui a vachement intéressé les gens de l'IST, c'est qu'on peut aussi pousser tout ça dans le data lake. Donc, moyennant simplement le remplissage de notre tableau, on va générer une fiche de métadonnées 1915 qui va être poussée automatiquement dans le jeu network. Donc, il suffit de dire, moi j'ai un jeu network dans mon labo. Ou alors j'utilise celui du CATI, celui du département, on met juste notre identifiant pour se connecter au jeu network. Il va générer la fiche, il va la pousser dedans. Le GBIF, donc c'est un test, on veut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on veut le pousser dans le GBIF. Il est capable, alors ça, moyennant, d'avoir les données spatialisées dans une base de données. Il suffit de dire, on va le voir, évidemment. Dans une colonne, on dit, moi mon jeu de données, je peux l'avoir en faisant select from. En gros, on donne la requête qui permet de générer le jeu de données. Okay. En supposant que les données sont dans une base de données. Moyennant la précision de cette requête, lui, le R, il va générer le jeu de données lui-même et le pousser dans le jeu serveur. Donc il va publier un flux de WMS, WFS, ce qu'on veut en fait,
pour le rendre accessible. Donc en fait, à la fin, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une fiche de métadonnées avec le lien direct vers la donnée. Et alors là, c'est pas marqué, mais on fait ce qu'on a testé, notamment avec nous, c'est la publication de tout ça dans Dataverse. Et donc j'ai fait un test avec Dataverse Indra. Donc le jeu de données, il est aussi poussé dans Dataverse Indra. Et après, donc, ce qu'on essaie de travailler maintenant, c'est peut-être de générer des projets QGIS, pour qu'en plus les gens puissent avoir juste à la fin un projet QGIS, on clique dessus, pouf, il y a tout dedans. Les métadonnées, le jeu de données qui est affiché. Voilà, donc après, il y a plein de... On a plein d'idées pour pouvoir améliorer tout ça, mais au départ, vraiment, le truc, c'est ça. Pour ça, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais c'est pareil, c'est en fait un autre type de données qu'on peut aussi traiter là-dedans, générer les métadonnées. Et... Donc voilà en gros le principe. Donc, pareil, il n'y a pas de bubu, mais... Il traite toujours de Jérôme Bonaly parce que quand je fais des démons, ça ne marche pas. Donc je dis, on va quand même faire une démo. Et donc c'est là qu'on va faire, tac. Alors, elle est là. Bon, je l'ai fait qu'une fois et ça a marché. C'est hyper compliqué. Tac. Alors, du coup, c'est l'occasion de vous présenter aussi. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet outil-là, on va partager. Ce qu'on a essayé de faire, parce que... Alors, je ne sais pas si vous connaissez les VRE, Virtual Research Environment, c'est environnement de recherche virtuelle. Eux, dans le cadre de leur projet dans lequel ils ont développé tout ça, ils bénéficiaient d'un VRE, c'est-à-dire plein d'outils, donc nous qu'on utilise sur nos PC, mais en version web, enfin en version en ligne. Donc ce qu'on a fait, en fait, ce que j'ai fait à dire la chose, c'est que j'ai installé un AR Studio Server. En plus, c'est pareil. Pour les étudiants, si on leur dit tiens, ce serait bien que tu fasses des métadonnées et que tu utilises le truc R, eh bien, non seulement on fait ça, mais en plus on met à disposition l'outil en ligne sans besoin de paramètres. Parce que là, évidemment, je ne vous cache pas que derrière, il y a pas mal de paquets à installer pour que ce soit tout nickel. Bref, donc, juste rapidement, le petit truc qu'il y a à faire, en fait, la seule chose qu'il y a à faire côté R, si je perds pas la souris, voilà, c'est ici, tac. Donc ça c'est un JSON où on dit, alors regardez pas parce qu'il y a le mot de passe en clair. En gros, mon jeu network, j'y accède par là, avec un user, mon CSW, alors ça je n'en ai pas parlé, je vais en parler après. Dataverse, alors heureusement on a des comptes, hein, vous pouvez créer des comptes pour Dataverse pareil. En gros là on dit, moi je vais, en gros tous mes outils sont là, vous allez voir, hop, il y a un truc... pareil, donc Google, alors juste pour répondre à d'éventuelles questions, mais je vous dis, j'ai préparé une slide exprès. L'avantage de Google Sheet, c'est qu'il a des API aussi. C'est-à-dire que le R, il est capable de parler directement avec Google Sheet. C'est-à-dire, votre tableau, il suffit de dire, voilà, il est là avec le lien de partage, tout simplement. Alors, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc, en gros, l'outil que vous avez. Alors, moi, c'est ce que. Alors, le premier test qu'on a fait ici. C'est avec Laurent Burnel. Donc, ce que vous donnez à votre collègue, en gros, qui va faire des métadonnées, c'est ça. C'est le lien vers Google. Et donc, vous allez voir, donc là, en fait, ce qu'on implémente ici, c'est du Dublin Core. Ça parle à tout le monde. Dublin Core, c'est la norme minimaliste, on va dire, pour être vraiment... nickel avec l'OGC et tout ça, donc c'est un peu le cœur de ISO 9500, c'est le cœur de ML, on tombe sur le Dublin Core. Donc évidemment, ça fait partie des améliorations, c'est-à-dire que là, on part sur des métadonnées Dublin Core. Mais, au moins, c'est des métadonnées qui sont compatibles Inspire et tout le reste, en fait. Dataverse, DataSite, si vous voulez avoir un DOI, Dublin Core, ça suffit, c'est même plus que DataSite. Et donc, en gros, alors si vous avez déjà fait des métadonnées, c'est vraiment que du grand classique, hein. C'est on donne un nom pour identifier notre jeu de données, un titre, un sujet. Alors là, c'est un petit peu particulier, parce qu'évidemment, ils se sont... Ils se sont donné des petites règles d'écriture, voilà, pour que... Voilà, là, typiquement, donc subject, pareil, c'est la prise en main, ça va passer par là, c'est-à-dire subject, c'est des mots-clés, c'est pas le sujet. Mais une fois qu'on le sait, c'est bon. Donc en gros, on a des mots-clés généralistes, des mots-clés géographiques, si on a besoin, on peut faire tout un ensemble de mots-clés, mais comme dans la norme, étant du spécial, tout ça. Voilà, qui est le créateur, la description, alors voilà, on peut aussi même, on peut dire que c'est du français, fr, arrobas, ça veut dire je fais mon résumé en français, si on fait en, arrobas, ainsi de suite, vous voyez, enfin, ça c'est des petits traits qui sont fixés, mais
qui sont hyper faciles à intégrer, on va dire. Hein. Tac. Non, je ne comprends pas ça. Voilà, enfin, moi je ne vais pas tout vous décrire, mais en gros, une date, enfin, c'est vraiment c'est du Dublin Core. Hein. Alors, ça c'est intéressant aussi, c'est l'endroit où on peut dire j'ai une petite vignette, elle est à telle adresse. Hein. Une petite vignette pour mon projet. Vous savez, une fiche de maintenance, c'est toujours sympa aussi, c'est de pouvoir mettre un petit encart. Hein. Voilà, là j'ai. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des, ici, une publication par exemple qui a été associée? Donc, tout ça, vous allez voir, on va le retrouver dans la fiche de données. Spatial coverage, en fait, ça c'est donc l'étendue spatiale. Là, c'est du. Je vous dis une bêtise. C'est un format particulier. En gros, c'est, bon, c'est pas du BOGIS, c'est autre chose. Mais bref, il y a un petit applicatif qui doit être là. Mais... Attendez, si je ne fais pas de bêtises. Hop. Voilà. Vous avez sur cette adresse-là. En fait, c'est un bloc qui est un petit applicatif. Vous avez l'accord du monde, vous faites votre petit encart. Il vous génère ce qu'on voit ici, le fameux polygone, machin. C'est tout. Ça, on passe par là, c'est des trucs. C'est tout. Donc, spatial coverage, temporal coverage, on parlait, start, end, que des trucs tout bêtes. Hein. La généalogie et les droits associés à ce jeu de données. Donc, je vais faire juste un truc, parce que hier, je me suis aperçu que ça faisait planter. Voilà, tac. Donc, je vais les annoncer encore. Non, après, en fait, si vous voulez, il y a des... c'est surtout avec Dataverse, en fait. Parce que pour Dataverse, on a testé une, alors il y a, enfin, pareil, je rentre dans les détails, mais il y a deux API pour Dataverse, et celle qu'on a utilisée, celle qui est par défaut, soit, là, il y a des trucs qui passent. Bon, bref, du coup, mais ça, on en teste. Hein. Donc, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est là, tac, donc, DIN-IDS, voilà, fin, et là, c'est 94. Pour que vous ne puissiez me croire sur parole, chez Oglet.org. Ok, donc ça. Donc ça, c'est notre. C'est notre jeu de temps, c'est notre portail de métadonnées d'avant. Donc c'est là, c'est celui-là que je suis renseigné. Donc vous voyez, donc on est d'accord que. Alors je vais essayer de faire. Donc on va tester comme ça. Mais juste, vous soyez d'accord avec moi qu'il n'y a pas de métadonnées sur les carabes ou je sais pas quoi. Mmh. Ok. Et après, ce qu'on va faire aussi, hop, alors là, par contre, ça va être plus costaud parce que... Ah non, si, c'est bon. Data, pour ceux qui ne connaissent pas, pré-production.fr. Donc évidemment, les tests... Mmh. Ah. Ah, mais là, forcément, je ne peux rien faire. Pourquoi ça marche pas? Est-ce qu'il n'y a pas d'AS? Non, c'est le service. C'est le service, ouais, temporairement. Ouais, est-ce que Data marche? Ah merde, je suis dégoûté là. Bon, parce qu'on est obligé de me croire sur parole. Data, on n'a pas à le faire. Non. Ok. Bon, alors, du coup, c'est mes identifiants sont sur le pré-production. Bon, bref, on va quand même voir au moins le jeu de catalogue. Donc, ce que vous faites, hein, tac, vous remplissez votre petit tableau. Tac, alors, l'avantage, vous êtes d'accord que. Enfin, nous, c'est Bubu, c'est lui qui est responsable un peu du suivi des projets sur le terrain. Hop, c'est que des infos auxquelles il a accès, ou au moins, il suffit d'aller voir le responsable des projets pour avoir ce genre d'infos-là. Et après, donc pareil, ça, c'est pour ça que je parle. Je vais contre mes principes et je parle avec l'ODL. C'est pas vrai. Non, je vous dis beaucoup. C'est pour ça que je discute beaucoup avec Elise, parce qu'en fait, dans l'idée, on voudrait ça interfacer évidemment avec Shiny, pour pas que les gens aient besoin d'aller là-dedans. Si on fait une petite interface Shiny et qu'on demande ces quelques champs de configuration, hop, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton. Du coup, ce qu'on a besoin de faire, c'est ça. Donc ça, le main, on va dire, le code, le principal, c'est celui-là. Donc contrôle A, je vais faire hop. Donc là, il risque de... Du coup, Dataverse, je ne sais pas comment il va réagir, mais... Et ouais, voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'on va voir déjà côté jeu network? Hop. F5. Merci.
ça c'est tout passé. Il y a une petite flèche à gauche. Ouais, attends, je vais faire ça. Tac. Je vais cliquer là-dessus. Donc c'est pas ça que vous voulez voir. Donc la pomme. Voilà. Vous voyez ? Capture des. Donc ça, hop, juste pour que vous voyez bien. Template. Hop. Voilà. Capture d'écran de la conversation, projet CDA, thèse RWF, c'est pas TWD. Et là, si on va là, pardon, hop. Voilà, on a bien notre fiche métadonnées qui a été publiée. Voilà. Donc ça, c'est les fameux thumbnails, les petites, qui sont là. Le résumé, vous voyez, FR, machin, qui parle du tout, pas du tout de Carl d'ailleurs. Et les fameux liens, voilà, le lien vers la métadonnée, enfin tout ce qu'on a pu mettre, voilà, c'est vraiment que du test, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est la fameuse étendue spatiale. Vous voyez, je mets juste le polygone et puis il est capable, hop, il affiche une carte et il met mon polygone dessus. Donc ça, c'est une carte qu'on a rajoutée, c'est une thumbnail. Voilà, puis après, que du, voilà, les mots-clés, on les retrouve, la langue, tout ce machin, le publisher. Vous voyez, une belle fiche métadonnée, toute bien remplie. Et on n'a pas du tout touché à ce network. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au départ, donc Emmanuel il a développé une API pour... Enfin, il a développé un package... donc, alors, je ne vous l'ai pas dit, hein. GeoMeta, GeoSAPI et GeonAPI. Donc, GeoMeta, c'est le cœur, c'est pour générer la métadonnée. GeoSAPI, c'est pour travailler avec GeoServer, l'API GeoServer. Et GeonAPI, c'est l'API GeoNetwork. Et en fait, il s'est aperçu qu'il s'était basé sur l'API GeoNetwork pour gérer le. Alors, pareil encore, CSW, c'est le protocole pour manipuler les métadonnées à distance. Et donc au départ, c'est juste pour l'info, en fait, il avait développé sur l'API GeoNetwork, qui en fait, une fois qu'elle est mise à jour, elle a tendance à. Il y a des trucs qui ne marchent plus. Donc il s'est carrément recentré sur l'API CSW pure, et là, ça marche à tous les coups. Ça veut dire qu'avec cette API qui s'appelle OWS4R, pour envoyer non seulement sur GeoNetwork, mais dans n'importe quel autre. Entrepôt de métadonnées compatible avec la norme CSW. Donc c'est vraiment ultra générique. Et voilà, écoutez, je crois qu'on est arrivé. 35 minutes, en plus j'ai pas trop dépassé, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah non, je suis plus connecté là, donc du coup. C'est sur la clé USB. C'est sur la clé USB, donc je fais comment pour... Le BAO. Ah oui, si je fais ça en tac. Voilà. Là, juste pour finir, ça avec le symptôme. Et puis il y a l'été en bas. Metadata. Ah, heureusement qu'il n'y a pas bu, alors il se rend tout foutu. Ok, donc tac. Et là tu. Je sais pas ce qu'on en était, mais. Ah, si, faut quand même que je fasse le petit. C'est où le machin? Ah, voilà, hop. Ça, on a vu, la poubelle, voilà. la petite démo, et je finissais sur quoi? Enfin, je ne me rappelle plus sur quoi je finissais. Démo. Ah oui, voilà, c'est ça, je vous rappelais en fait les différents services. Donc en gros, donc, on n'est pas obligé d'avoir tout ça, hein, mais c'est quand même hyper pratique quand on partage les outils. Donc un serveur RStudio, un GeoNetwork, le Dataverse INRA quand il marche, et Google Sheet. Donc avec ces quatre trucs-là, qui sont assez relativement. Alors ça, on est d'accord, je vous disais, c'est compliqué à administrer, mais vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire que si vous travaillez avec des gens à l'extérieur, vous avez votre fiche de métadonnées qui est nickel, qui sort du R. Vous la poussez, il suffit que les gens vous donnent à la limite des codes pour accéder à leur GeoNetwork, celui de l'Institut, celui de vos partenaires, n'importe quoi. Ça marche à tous les coups. Et puis voilà, merci, c'est tout, en fait. Bon, puis désolé, alors je vais quand même essayer, on sait jamais. Si je fais chat. Putain, je suis deg. Le seul truc. Là, on est d'accord, ça dépend pas de moi. Non, pas de moi. Tu comprends pas? Pré-position. Non, rien à faire. Bon, bref, en tout cas, voilà. Ce que vous auriez vu, c'est que dans le database que j'ai créé pour mon test, en fait, le jeu donné, il arrive aussi. Tac. Et alors, évidemment, si vous avez renseigné le fameux SQL qui vous permet de générer le jeu donné, lui, clac, il met une copie du jeu donné avec les métadonnées, le jeu donné. Merci. Voilà, merci beaucoup.